Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. Hello, hello. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonne année 2022. On va regarder quel est le signe qui va être choisi aujourd'hui. Je vous souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et ce sera aujourd'hui le tirage donc, de janvier 2022, la première quinzaine. On va terminer ces tirages-là, donc du 1er au 15 janvier 2022. Comme j'ai décidé de faire par quinzaine, vous avez déjà les tirages amour qui sont sortis. Je vais tout de suite regarder le signe qui va être pris aujourd'hui. Alors, on va regarder pour les lions. D'accord? Lion, ascendant lion et lune en lion, ce sera votre tirage pour la première quinzaine de janvier. Vous pouvez regarder les tirages amour pour janvier 2021 qui ne sont pas dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Guidances de Shiva. Et ensuite, vous pouvez retrouver toutes les playlists. Donc, amour pour le mois de janvier, année 2022, tirage de la semaine. Vous avez tout. Donc, vous vous abonnez, c'est gratuit. Je fais un peu de plume, mais je vous explique. Parce que ça vous simplifie la vie. Et vous cliquez la petite cloche en haut à droite et vous recevez les notifications. Ensuite, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez donc un mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous réponds sous 1 à 3 jours pour votre tirage délivré sur votre mail. On va regarder tout de suite ici les énergies pour les lions, donc du 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022, quelles sont les énergies pour le signe des lions 1er au 15 janvier? On va regarder la coupe. Je vous incite de regarder jusqu'au bout la vidéo parce qu'il y aura un tirage au tarot, au petit Lenormand, à la triade et à l'oracle des miroirs, un tirage complet. Et à la fin, un message angélique qui sera un conseil de ce qui est bien pour les lions pour ce mois, cette période. Donc, c'est élastique au niveau timing, c'est de début à plus loin, donc du début maintenant à plus loin que le 15, hein. Ça peut aller un peu plus loin, bien sûr. Alors, on parle de partenariat et on nous dit de garder l'espoir. Alors, soit il y a quelque chose qui se passe bien au niveau de partenariat, alliance pour les lions, au niveau professionnel, business, etc. Donc, en tout cas, on parle de ça et on nous dit d'avoir de l'espoir. Voilà vos cartes d'énergie. Ayez de l'espoir pour une collaboration que vous avez actuellement. Gardez de l'espoir pour une future collaboration que vous aurez plus tard ou que vous êtes en train de chercher ou de mettre sur pied. On nous dit en tout cas de laisser, de pas laisser tomber. Il y a la lumière qui sera plus tard. Par rapport à ce partenariat qui arrive. On va regarder avec le Normand ce qu'il nous dit. Je vais prendre 4 cartes. Pour le message des lions ici, on nous dit bah, retrouve ton pouvoir de ton cœur, relie-toi à ton cœur. Et on a la datation 5 semaines, 5 mois qui peut vous être utile donc dans ce tirage du mois de janvier ou comme j'ai fait la semaine et à partir de la nouvelle lune du 2 janvier 2022, il y a certaines choses qui peuvent se passer depuis cette nouvelle lune, donc dans 5 semaines ou dans 5 mois, pour vous les lions. Quel message ici du 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'il y a, Mara? J'achète des paniers pour les chats, tous les chats. Alors, on voit que vous vous cherchez dans cette période-là. Vous êtes en train de tâter le chemin, tâter un petit peu où est-ce que vous allez aller par la suite. On vous demande d'avoir du courage, de la persévérance. Par rapport, alors il y a certainement une envie de renouveau par rapport à un partenariat. Vous allez avoir peut-être des nouvelles, on voudra travailler avec vous, vous allez travailler avec quelqu'un d'autre. Ici, on nous dit, pour le moment, vous vous tâtez, vous ne savez pas trop où vous allez, mais avec force et courage,
Il y a des nouvelles qui sont positives, qui arrivent vers vous, qui seront lumineuses. Il y a un bon partenariat qui se profile pour vous en début janvier. Il y a quelque chose qui va. Moi, je pense que c'est pour le travail, hein, ou là, le côté indépendant, ou un partenariat d'affaires, ou un partenariat. À vous de voir, bien sûr, selon votre situation. N'hésitez pas après de l'écrire en commentaire. Mais il y a quelque chose comme ça, ou ça peut être un partenariat amoureux. Vous êtes un peu perdu pour le moment parce que là, il y a la partenaire, l'homme et la femme qui se tiennent la main. On fait affaire, vous allez faire affaire avec quelqu'un ou c'est un lien avec quelqu'un qui se présente ici. Un lien amoureux, si on ne voit pas forcément le travail. Et puis, avec force, avec courage, ou en tout cas, il y a une certaine solidité par rapport à ce lien. Des nouvelles vont arriver. Ces nouvelles vont vous porter de l'aide, vont vous donner de la force et une certaine réussite. Parce que avoir la carte du soleil et de l'espoir, ça va vous porter chance. Vous allez avoir une réussite. Accomplissement de vos voeux, un rayonnement. Je vais compléter avec le tirage du 10e oracle pour voir qu'est-ce qu'il y a en supplément sur ces cartes. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. On va voir s'il y a une précision ici. Hein. Les lions, 1er au 15 janvier 2022. Une invitation, un partenariat, une nouvelle rencontre qui amènera sur quelque chose de positif. Lion. 1er au 15 janvier 2022. Alors, comme j'utilise le grand téléphone, le téléphone avec l'image beaucoup plus grande, il faut trouver ici. Ça peut parler d'amour. Ça peut parler d'amour, effectivement, ce tirage pour vous, les lions. On voit que vous êtes pour le moment, peut-être encore. Un peu perdu, vous cherchez votre chemin dans une relation, dans un lien. Donc, il faut trouver la clé pour savoir comment avancer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne? On retrouve une certaine jeunesse. On se libère peut-être d'un passé, hein, on va voir avec le tarot. On retrouve une certaine jeunesse grâce à la force, la persévérance que vous avez mise pour régler quelque chose. On voit que vous êtes protégé, qu'on vous amène des bonnes nouvelles maintenant. Vous avez réglé quelque chose, vous avez terminé quelque chose, en tout cas, c'est ce que je ressens très fort, parce qu'à l'enfance, c'est une nouvelle jeunesse, un renouveau. On nous dit protéger des bonnes nouvelles qui arrivent en début janvier, et puis effectivement, sur un lien ou un partenariat, il y a quelque chose qui va être positif. Vous allez avoir une belle réussite ici sur une union sentimentale ou sur un partenariat, d'accord? Essayez de voir. À qui, de quoi ça parle? Quel est ce lien? Il y a une nouvelle jeunesse, donc je pense que le tarot va nous montrer qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Voilà ce que nous dit ici le petit Lenormand. On va regarder avec le tarot justement. Donc pour les taureaux, les lions, je vous mets la carte là. Les lions du 1er au 15, qu'est-ce qui est tombé? La tour, ouais, il y a une cassure ou il y a une cassure qui va se faire. Si ce n'est pas encore fait, cassure sentimentale, professionnelle. Lion, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce que l'on a comme message? Qu'est-ce qui va se passer pour les lions? 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour le signe des lions? Signe des lions. 1er au 15 janvier. Comme le temps passe vite. Vous avez pour la carte de l'empereur, donc persévérance, force, courage. Vous avez cette énergie avec vous durant cette période où vous voulez prendre les choses en main, vous voulez effectivement régler quelque chose, avancer. En tout cas, vous allez vers un accord réussi, hein. Ce qu'il y a eu dans le passé, il y a un jugement qui s'est fait dans un passé proche.
des difficultés, mais qui vous... Oui, des choses qui ont été difficiles. Vous avez normalement pris expérience sur cette situation. On vous a donné une deuxième chance et là maintenant vous reprenez la main en décidant d'aller vers un objectif, un partenariat ou une relation. Et vous aurez un choix à faire, on nous dit. Alors soit c'est justement l'amour, ça peut dire que vous allez être amoureux en ce début janvier. Vous allez être amoureux, oui, vous avez envie de concrétiser certaines choses au niveau amour. Ou vous avez un choix à faire, soit en amour aussi, ou dans un autre domaine. Pour ce partenariat, parce que je vous ai dit, vous êtes peut-être encore en train de choisir. Et ben, malheureusement, c'est bloqué. Alors, début janvier, vous avez cet espoir, vous avez cette envie, mais il y a un blocage. Et c'est assez hallucinant parce que j'ai fait le tirage de la semaine du 3 au 9, donc on est actuellement dedans, et j'ai vu que vos démarches sont bloquées. Vous devez faire un choix, vous allez vers quelque chose de nouveau, visiblement pour un partenariat, mais ça ne va pas marcher. Vous êtes bloqué, on vous bloque, on vous permet pas de le faire. Ça, c'est pas vous qui vous arrêtez, c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues où on vous permet pas, où il y a un arrêt par rapport à une quelconque raison. On va voir plus avec la triade, qu'est-ce qui se passe pour les lions. Donc j'ai vu la même chose. Alors là, ça me surprend. Bah, pas forcément parce que je fais quand même des tirages qui sont justes. Pardonnez-moi pour le cadrage. J'ai pas envie que ma caméra tombe. Et la triade, on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis. Donc les lions. Lions, signe des lions pour la période du 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est plus le côté psychologique, émotionnel, relationnel, spirituel pour vous, les lions. 1er au 15 janvier 2022, pour ce début d'année, qu'est-ce qui se passe pour les lions? On va voir la coupe. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles ce début janvier, d'ici le 15 à peu près. Message. Il y a ici une adversité que vous vivez, depuis un bon moment. J'ai l'impression que ça va se terminer. Soit c'est vous qui êtes adversaire face à une personne où vous agissez mal par rapport à cette personne, soit à quelqu'un qui vous veut du mal. Et on voit quand même que là, c'est un cycle qui dure depuis un moment. On voit que c'est une situation qui dure depuis un moment. On peut voir que... Alors, vous avez fait du mal, vous allez recevoir des messages de la justice, de l'administration, quelque chose qui va peut-être vous bloquer justement par rapport à vos projets. On nous dit que c'était nécessaire. C'est nécessaire pour vous les lions d'avoir passé par là. Vous avez soit mal agi, soit quelqu'un a mal agi par rapport à vous. Vous a fait du mal. Mais il fallait passer par là, donc toujours pour une évolution, on va voir plus en détail. Mais là, on a quand même l'espoir d'une... Vous avez envie de faire quelque chose, mais on nous bloque. Et c'est exactement ce que j'ai vu dans le tirage de la semaine. Alors, les lions. Parce qu'il y a eu du mensonge, de la manipulation, l'adversité maléfique, hein. La triade, elle le montre très très bien. Je prends 5 cartes et je vais prendre 4 cartes encore. Lion, 1er au 15 janvier. Ce que ça va nous donner comme information ici. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que c'est que vous qui bloque, hein? Et en tout cas des personnes qui vous arrêtent sur vos projets. Alors on sent une certaine déprime, un certain isolement, on se sent seul, on se sent pas super bien là, les lions. On dirait que vous avez justement, moi je pense que c'est vous agi par tentation. La tentation, c'est quand même faire certaines choses qui sont pas très valeureuses, hein, qui vous ont peut-être porté préjudice, qui sont pas top
Moi, j'ai un petit peu le souci ici que je m'excuse, mais j'arrive pas à bien gérer la vidéo. C'est notre caméra qui est plus grande. Là, ça vous isole des autres. Quelque chose qui vous met un peu en aparté par rapport à des choses que vous auriez faites par facilité. Allô, Chandra? Oui, Chandra. Pardon? Ah oui, bonjour. Je suis occupée. Est-ce que vous pouvez me rappeler d'ici 20 minutes? Ou plus tard, ou ce soir? Merci, désolée, excusez-moi. Excusez-moi par rapport au téléphone. Donc, la tentation, c'est de faire des choses pas très nobles, de manière détournée, de faire des choses pour. Comme on a vu un petit peu hein, avec l'adversaire, l'adversité, on fait des choses pas gentilles, pas nettes, pas propres, sans valeur, voler, mentir, trahir, etc. Donc attention à ça, parce qu'on nous dit ici qu'il va falloir effectivement faire un choix, comme on a vu tout à l'heure. Il faudra changer, prendre une nouvelle voie. Moi, pour moi, vous ne pouvez pas continuer hein, comme ça. C'est pour ça qu'on vous met des bâtons dans les roues ou que la vie vous bloque. J'ai l'impression qu'il y aura des situations, il y a beaucoup de gens autour de vous. Vous pouvez être le lion ici, beaucoup de gens tournent autour de vous. Il y a toujours cette histoire de lien. Donc il y a quelque chose en rapport avec un lien, un partenariat, une personne. Ici, vous allez devoir peut-être aussi sortir beaucoup d'énergie de vous pour régler, on avait vu l'ours, hein, pour une situation qui se connecte à un lien, un partenariat, mais là on nous conseille au son du tirage de faire un choix important, de prendre une nouvelle voie. Vous voyez ces cartes, hein, pour moi c'est soit vous, soit quelqu'un d'autre, ou vous étiez, ou vous êtes encore dans cette situation où il y a des gens qui vous en veulent, ou vous vous en voulez à quelqu'un. Il faudra retrouver une sagesse par rapport à cette situation où il y a eu beaucoup d'apprentissage qui s'est fait, mais il y a bien cette carte de solitude. On nous dit, bon, dans tout ce problème que tu vis actuellement, il y a quand même la lumière au fond qui est là, hein, faut pas oublier. Mais tu as deux cartes noires, donc de déprime, d'isolement, de solitude. Tu as de l'adversité que tu as peut-être initiée. Mais de tout ça, il va falloir apprendre et retrouver une certaine sagesse. Il y a un changement d'orientation qui est demandé ici au Lion pour cette semaine. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est vraiment le stop, on l'a eu. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et là, c'est quand même à dire, c'est un peu comme l'isolement. C'est la déprime, c'est la solitude. Vous risquez d'être pas bien parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas continuer sur le chemin que vous aviez pris précédemment, les Lions. D'accord? Ça va vous demander d'une certaine énergie, une certaine force, persévérance pour changer cela. On va regarder avec ici l'oracle des miroirs et puis rester à la fin parce que le conseil est toujours très important pour voir ce qu'ils nous disent. Alors, on va prendre 5 cartes. Je vais demander pour les lions du 1er au 15 janvier 2020, du 1er au 15 janvier 2022 pour les lions. 1er au 15 janvier 2022 pour les lions. 1er au 15 janvier 2022 pour les lions. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? 1er au 15 janvier 2022 pour les lions. Alors la coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Il y aura des réunions, il y aura des discussions par rapport à votre situation. Il vous faudra agir, action. Beaucoup de correspondances, effectivement, vous aurez un choix à faire ici, hein, les lions. Vous aurez une direction nouvelle à prendre. Ça veut dire qu'il vous faudra avancer après ce 15 janvier, prendre un nouveau chemin, visiblement. Peut-être qu'on ne vous permettra pas de continuer sur une voie. Il y a des réunions d'équipe. Problème de jalousie qui vous revient en face de la jalousie que vous avez face à quelqu'un. Et ce problème, vous revient. En début janvier, va revenir sur la table.
Alors, Lyon, premier au 15. On a la protection, ce qui est une très bonne chose. Ouais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai vu dans la semaine, c'était très clair, hein. Le tarot, il disait non, stop. Il y a un échec, il y a quelque chose que vous avez voulu faire qui ne fonctionne pas, mais vous êtes protégé quelque part, ou vous accusez des gens. Il y a un échec par rapport à des accusations. Vous avez accusé des personnes pour moi. Alors, c'est toujours interchangeable parce que je ne peux pas généraliser. Soit on vous accuse, soit vous accusez quelqu'un. Il y a de l'accusation dans l'air, il y a de la jalousie dans l'air. Mais si c'est vous qui accusez quelqu'un, il y a un échec. Pourtant, vous êtes protégé. Donc, il n'y aura pas de conséquences trop graves. Il vous faudra prendre de la distance par rapport à cette situation ou lâcher prise par rapport à ce problème-là. Et c'est peut-être aussi en rapport avec vos... comment dire, votre héritage parental, familial. Il y a quelque chose ici qui peut venir des parents ou quelqu'un vous conseille de faire certaines choses, mais ça menait à l'échec. Donc peut-être aussi prendre la distance par rapport à ses ascendants, ses parents, ses grands-parents. Il y a une notion ici de ne pas refaire la même chose, prendre la distance, la hauteur. L'autre deck nous dit ce que je vous disais, réunion, ouais, à cause de la jalousie. Il y a des problèmes qui reviennent sur la table ici et qui ne fonctionnent pas. Il y a bien un arrêt, un blocage. C'est ce que je vois pour le moment. Alors justement, je vais voir le conseil des anges là. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour les lions? Quel message angélique pour les lions du 1er au 15 janvier 2022. 15 janvier 2022. Ou par rapport à... Oui, vous avez peut-être accusé quelqu'un, mais ça ne marche pas. Donc, prenez de la distance. Peut-être un fonctionnement que vous avez hérité de vos ancêtres, qu'il vous faut changer. Vous êtes protégé. Alors, un message conseil pour les lions. Pour ce 1er au 15 janvier 2021. Soyez dans le pardon. Pardonnez à cette personne, parce que vous êtes vraiment dans une notion de conflit. Pardonnez à cette personne, pardonnez à ce partenariat, à ce lien. Une personne qui peut être en partenariat dans un travail, dans quoi que ce soit. Il vous faut pardonner. Voilà le conseil des anges qui est important. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. On voit que ça bloque. Vos projets bloquent. L'univers vous bloque. Alors ici, simplement, pardonnez à cette personne. Parce que si vous ne le faites pas sincèrement, vous ne pourrez pas avancer. Pardonnez-vous à vous si vous avez fait des choses où vous vous rendez compte maintenant qu'elles n'étaient pas justes. Hein, si vous étiez vous l'adversaire ou la personne jalouse et accusatrice. Pardonnez-vous et vous vous rendez compte peut-être voilà, vous avez fait des erreurs aussi dans la tentation, la facilité, l'adversité. Et ça, il va falloir changer pour commencer cette année sous de meilleurs auspices, mes chers amis Lyon. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en retour sur quelle situation ça peut vous parler. Et puis, très bonne année 2022, qu'elle soit meilleure que 2021 et plein de réussite. Alors, à tout bientôt mes chers amis. Au revoir.